L'exploration est encore possible là où on ne l'attend plus, chez nous, en France, à l'ombre d'un village paisible, Beaufort-sur-Gervanne. C'est ainsi que nous allons plonger sous terre pour vivre une des dernières formes de l'aventure alliée au danger, la plongée souterraine, technique quelque peu marginale de la spéléologie, sport de haut risque. Au sud du Vercors, à 100 km à peine de Grenoble, l'exploration du réseau noyé de Bourne par Bertrand Léger, du groupe Spéléo de la Tronche, constitue sans conteste un des plus grands exploits de la plongée spéléologique. Plongeur sous la terre dès 1963, Bertrand Léger a réalisé à ce jour plus de 1200 plongées en grotte. Il est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de spéléoplongée. La source de Bourne est un regard sur le cours d'une importante rivière souterraine qui résurge 800 mètres en aval à la source des Fontaigneux. En période d'étiage, l'orifice de Bourne ne fonctionne pas et la totalité du cours d'eau s'écoule en aval vers la source des Fontaigneux par un conduit impénétrable à l'homme. En hiver et au printemps, la rivière subit des crues considérables. Le débit atteint très fréquemment 3 mètres cubes à la seconde. Vouloir pénétrer dans Bourne en période hivernale tient d'une gageure. Ces images, réalisées lors d'une crue, peuvent sembler anodines. Pourtant, le débit de la rivière atteignait ce jour-là 2 mètres cubes à la seconde et la vitesse du courant dans le couloir d'entrée était de 1 mètre à la seconde. La violence de la crue était telle que ces turbulences, créées au niveau de la paroi de la galerie noyée, empêchaient le cinéaste de maintenir de façon stable sa caméra. C'est en 1973 que le groupe Spéléo de la Tronche entamait ses plongées dans Bourne. Depuis cette date, Bertrand Léger y a réalisé 26 séances d'exploration, totalisant 38 heures d'immersion. La dernière plongée de pointe a duré à elle seule plus de 4 heures. Des explorations d'une telle durée sont rendues possibles par l'utilisation d'un matériel spécialisé complexe. Ce dernier doit parfaitement répondre aux trois problèmes majeurs de la progression en grotte noyée, milieu aquatique, obscurité et froid. En fonction de la longueur du réseau noyé, des bouteilles relais sont parfois indispensables pour disposer d'une autonomie suffisante. Cette orgie d'air n'est pas un luxe inutile, mais une nécessité vitale. Il n'existe en effet dans le siphon aucune poche d'air permettant de réparer une éventuelle avarie sur le matériel. L'éclairage est également un des points importants de l'équipement. Il est constitué de 4 sources lumineuses indépendantes, fixées sur casque. Des phares halogènes de grande puissance, de 100 à 150 watts, sont également employés en cas d'utilisation d'un scooter sous-marin. L'eau de Bourne est froide, 10 degrés centigrades, quelle que soit la saison. Pour que le corps du plongeur résiste à cette basse température pendant des explorations de plusieurs heures, l'usage d'une combinaison étanche est indispensable. Ce vêtement, appelé volume variable, est alimenté en air par les bouteilles du plongeur.
Différents instruments complètent l'équipement, montre, profondimètre, boussole et décompressimètre. Ils constituent un véritable tableau de bord du plongeur. Scaphandre dorsal, bouteille de relais, scooter sous-marin, tout ce matériel représente à l'air libre un fardeau de plus de 100 kg. Mais, une fois immergé, allégé par des flotteurs et par le volume de l'air de sa combinaison, le plongeur se retrouvera en véritable apesanteur. L'usage du scooter sous-marin en galerie noyée n'est apparu que récemment en France. Et pourtant, ce merveilleux appareil constitue l'avenir des plongées souterraines à grande distance. Tracté sans effort dans le ronronnement du moteur, le plongeur voit défiler les paysages connus du siphon. Sa vitesse de progression augmente et sa consommation en air diminue de façon appréciable. Les 800 premiers mètres du siphon de Bourne sont ainsi survolés sans fatigue. Mais ils ne sont que le prélude à l'exploration. En parcours accidenté et en cas de visibilité réduite, le scooter doit être porté à la main, parfois sur d'assez longues distances. À 800 mètres de l'entrée, le scooter est abandonné, la capacité de ses batteries n'autorisant pas une utilisation plus lointaine. Un relais de bouteille est réalisé en ce point. L'utilisation judicieuse de ces scaphandres relais a permis récemment une pénétration en siphon sans commune mesure avec les explorations antérieures. Le principe en est simple. La bouteille, déjà utilisée jusqu'à la moitié de sa contenance, est abandonnée dans la galerie noyée et elle est échangée contre un scaphandre plein. Pour certaines explorations de grande envergure, 6 relais de bouteilles sont parfois nécessaires pour disposer d'une autonomie en air suffisante. Du point 800 mètres, la progression continue à la palme. 40 minutes de plongée seront encore nécessaires pour rallier le terminus de la précédente exploration. Dans Bourne, l'érosion s'est jouée des parois, y sculptant par endroits de fantastiques dentelles. La partie du siphon déjà équipée en fil d'Ariane se parcourt aisément en suivant simplement à la vue le fil guide. Ce dernier, vital pour le plongeur souterrain, est constitué d'une mince cordelette de nylon déroulée lors des progressions de pointe et fixée de place en place aux aspérités de la roche. Lors des progressions retour, quand l'argile en suspension dans l'eau a totalement supprimé la visibilité, le fil doit être tenu à la main. Le lâcher et s'égarer équivaudrait à une mort certaine. En plongée souterraine, plus peut-être que dans n'importe quel autre sport à risque, l'improvisation ne saurait trouver place. La perfection du matériel, l'expérience du plongeur sont des gages de sécurité. L'incident, qui serait banal dans la plongée en mer, évolue ici très vite à la catastrophe, du fait de l'absence de surface libre.
Afin de mieux connaître la zone d'alimentation de la résurgence, tout du moins dans sa partie explorée, le relevé topographique du siphon est effectué. Dans l'ensemble, ce type de levée diffère assez peu de la topographie pratiquée en spéléologie terrestre traditionnelle. La direction de la galerie Noyer est lue sur un compas en prenant systématiquement azimut et contre-azimut, ce qui élimine tout risque d'erreur opératoire. Le compas est installé sur le fil d'Ariane équipant la galerie grâce à une couronne graduée. La lecture, par la suite, s'effectue par le topographe, cette méthode donnant une très grande précision. À chaque opération, les données sont notées sur une planchette spéciale. La profondeur est relevée au niveau du fil d'Ariane équipant la galerie grâce au bathymètre du plongeur. De petites étiquettes placées sur la cordelette indiquent la distance parcourue. À chaque point topo, toutes ces manœuvres sont rééditées. L'une des énigmes de Bourne, non encore élucidée, est la présence d'un véritable ossuaire subaquatique parsemé sous la galerie Noyer sur près de 500 mètres de distance. Ces ossements sont des plus divers en nature et en taille. Leur provenance en un tel lieu est encore inexpliquée. Pour l'instant, ils ont seulement été regroupés dans le siphon par les plongeurs. Une fois ressortis dans des sacs remplis d'eau pour éviter leur contamination par l'air, ils pourront être identifiés et surtout datés de façon précise grâce au carbone 14 ou à l'oxygène 18. Parvenu au terme de la partie connue du siphon, l'exploration commence. Le plongeur progresse alors en dévidant son fil d'Ariane dans un contraste permanent d'ombre et de lumière. L'exploration achevée, il reste le long retour dans une pluie de particules en suspension soulevée lors du trajet aller. Ces retours en plongée souterraine sont toujours angoissants, même pour le plus chevronné des plongeurs. Dans une eau laiteuse que les éclairages percent faiblement, le chemin est parcouru lentement, en sens inverse, relais de bouteille après relais de bouteille. Il faudra plus d'une heure de plongée
pour atteindre la zone d'entrée. À peu de distance de la sortie, il reste à accomplir la partie la plus pénible de l'exploration, les paliers de décompression. En effet, pendant sa lente progression dans le siphon, l'organisme du plongeur s'est saturé d'azote. Une sortie trop rapide serait sanctionnée impitoyablement par un brutal accident de décompression. Les tables de plongée ainsi qu'un appareil spécial, le décompressimètre, indiquent au plongeur les différents paliers à respecter. Malgré l'emploi d'oxygène pur qui est courte, la durée de la décompression, ces paliers restent fastidieux et réfrigérants. Le corps du plongeur, immobile, a tendance à se refroidir très vite, malgré l'emploi d'un vêtement étanche. Pour restituer quelques calories à l'organisme pendant la décompression, un système original a été trouvé. Un thermos de café bouillon est entreposé au palier. Grâce à un tube souple en plastique, le plongeur peut absorber sous l'eau le contenu du récipient. Ces quelques gorgées de liquide brûlant, si elles ne raccourcissent pas pour autant la décompression, sont moralement très efficaces. Après 1h30 de palier et plus de 4 heures d'immersion totale, l'exploration se termine enfin. À ses origines, la plongée souterraine présentait de tels risques qu'aucune compagnie n'acceptait d'assurer les plongeurs. En 1966, il n'existait que 44 pratiquants en France. La moyenne était de 2 accidents mortels par an.
Aujourd'hui, il y a plus de 500 spéléoplongeurs actifs et une seule victime est à déplorer dans les deux dernières années. Il n'empêche, cette exploration très particulière dont nous venons de suivre les méandres et qui ignore les effets spectaculaires est réellement une des plus dangereuses qui soient.